le défunt doit être obligatoirement inhumé ou crématisé dans un délai de 6 jours après le décès, dimanche et jours fériés non compris. Le corps peut dans certains cas rester à la morgue de l'hôpital ou rester au domicile jusqu'au jour des obsèques. Après avoir fait le choix d'une pompe funèbre, le transport est pris en charge par ces dernières et est effectué par un véhicule spécifique agréé et équipé d'un caisson réfrigérant. Avant le transport, un bracelet d'identification sera posé au poignet et le corps sera mis dans une housse blanche plastifiée. Aussi appelé transport à visage découvert, il s'effectue généralement entre le lieu de décès et la chambre funéraire ou le funérarium. Ce type de transport n'est possible que dans les 48 heures après le décès. Ce film vous a été offert par Touche en Création. Touche en Création vous permet de construire un hommage vidéo pour les cérémonies, disponible en moins de 24 heures. Rendez-vous sur le site touchant.fr. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre conseiller funéraire.